Good morning, allez, Yiden, les suisses aujourd'hui, le Lunishmat. Avraham, Chayin, Robert, Ben Fortune, Mazel, Chamim, Ben Rosa, Yedida, Bet Esther, et Allegria, Bat Sol, Ben Soussan, le Bet Vanish. Si vous souhaitez aussi d'aider nos prochaines études de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechter, Chin, Père Gimel, Mishnah Gimel, Beshor, Amoual, Shemit, Tata Eved, Leakel, Olachmir, Kaitzad, Echad, Shemit, Tata Nae, Sheba Avadim, Veta Kaur, Sheba Avadim, Noten Shloshim Sala, et Mit Ben Chorin, Noten et Shovio. Chaval bazé ou bazé, meshalem nezek shalem. Perek shlishi, troisième perek de Erchin, on est en train de parler de tous les sujets de la Torah où on a des constantes de dédommagement ou d'évaluation de biens. Au lieu de calculer selon le prix exact des choses, selon leur valeur marchande, la Torah nous a fixé des prix fixes. Et on continue maintenant, on avait parlé donc, première Mishnah d'Arachin, deuxième Mishnah, c'est l'histoire avec le Zdeh Achouza, et maintenant on découvre le sujet du Shor Amouad qui tue, un taureau averti qui tue. Il y a, on va le faire tout de suite dans les Psukim, on ouvre dans Parashat Mishpatim, on est dans Perek Rafalef, à partir de Perek Pasuk Kafret, la Torah nous commence à nous raconter les rigor, Igar Shor Etish, lorsqu'un taureau encornera un homme ou une femme et qui le tuera, alors il faudra tuer le taureau. Maintenant, le Pasuk Rafalef continue en disant, et si c'est un taureau qui a déjà encorné, qui a déjà encore né tué. Vim Shor Nagarhu Mitemol Shilchom, il a déjà, ça fait déjà plus depuis hier, avant-hier, donc ça fait déjà trois fois qu'il a tué, et il tue maintenant pour la quatrième. Vewad Bivala Velo Yishmirenu, et qu'on avait prévenu le propriétaire de le garder le temps qu'on le tue, et qu'il a toujours pas gardé, et qu'il y a eu des problèmes, et qu'il a continué, Vemit Isho Isha, il a continué à tuer un homme ou une femme, donc pour la quatrième. Alors la Pasuk me dit, Ashor Isakel Vegam Beala Yumat, le taureau sera lapidé, et même le propriétaire sera tué. C'est-à-dire qu'il sera tué, il aura, Rachid explique ici dans la Torah, qu'il aura un chiyuv bideshamayim, il est passible de mort dans du ciel, il est responsable, il est, donc, par rapport au ciel, il est porté responsable sur la mort de l'autre. Pourquoi tu n'as pas gardé ton taureau? Maintenant, malgré tout, il a la possibilité de se racheter. Imkofer yushat alav, si il voudra acheter un kapara, et donner sa kapara, imkofer yushat alav, si on voudra mettre sur lui un kofer, donc s'il voudra payer. Et payer une capara, un rachat de son crime qu'il a fait, eh bien, Venatan Pidyon Nafsho, il pourra donner la contre-valeur, Marloket, est-ce que c'est qui? De son âme, de qui? De sa propre âme, ou bien de l'âme du défunt? Une Marloket sur ça, Rashi rapporte sur la Torah, Marloket, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva. Dans notre Mishnah, le Bartanoï va expliquer qu'on va sur dans la vie qui pense que c'est la valeur du Nizak, de l'endommagé, de la personne tuée. Kekhol Hashem Yushatalav, il faudra lui donner comme. Ce qu'il aura, ce qu'il vaudra. Obanigar, obatigar, kamushpat azé, aselo, qu'il s'agisse d'un petit enfant ou d'une petite fille, il faudra payer le même prix, payer, donc dédommager, en racheter sa faute, en payant le prix de la personne tuée. Sur le marché des esclaves, selon son âge, ses forces, ses capacités. Veim eved igar, ashor o ama. Toutefois, la Torah me précise maintenant, si il tuera un Eved au Hama, un esclave ou une servante. Alors là, la Torah me dit, ben, Kesef Shloshim Shkalim Itenladon, il devra payer un prix fixe de 30 shekels, et Ashor Isakel, et le taureau sera tué. On apprend de là, donc pour notre propos, ça va être là le sujet de notre Mishnah, que lorsque le taureau encorne et tue un être humain, alors que c'était un taureau Mouad, il a été averti, il avait déjà tué trois fois, et que malgré tout, il a récidivé. Eh bien, dans ce cas-là, si c'est un être humain, un juif normal, il faudra lui payer le prix coûtant au marché des esclaves, payer le kofer en dédommageant, en donnant aux héritiers le prix de la personne tuée, tandis que si c'est un esclave, il faut payer un prix fixe de 30 sela, de 30 shekels. D'accord? Donc la Mishnah maintenant m'enseigne en me disant « Beshor amouad, she'emid et ha'eved le'akel olachmir » Dans le taureau averti qui a tué un esclave, que tu trouves dans cette évaluation de payer cette constante de 30 shekels, que tu, en ta faveur ou en ta défaveur, Keitzad, comment se présente le cas? Eh bien, Echad Sheemit Etanae Shebaavadim, qu'il s'agisse d'un taureau qui a tué un bel esclave, un bon esclave, qui avait des tas de vertus, Veeta Kaur Shebaavadim, ou bien le plus. Bidon le plus bas des esclaves, dans tous les cas, noten shloshim sala, il devra donner 30 sela, 30 dinars de la Torah. D'accord, 30 shekels de la Torah plutôt.
Hémit ben Chorin, tandis que s'il a tué un être libre, pas un esclave, noten et chovio, il devra lui donner sa valeur. Et des fois, tu gagneras, parce que si c'était une personne qui était malade et faible, alors ça coûtera pas cher par rapport à 30 cela. Mais si c'était quelqu'un de beaucoup plus, d'une valeur beaucoup plus haute, eh bien tu devras payer plus cher dans ce cas-là. Maintenant, la Mishnah continue en concluant. Chaval bazé ou bazé. Toutefois, tout ce qu'on a dit que pour un esclave, il faut payer plus cher, c'est uniquement lorsque il faut payer cette constante-là de 30 cela, c'est uniquement lorsqu'il l'a tué. Par contre, si c'est juste chaval bazé ou bazé, s'il a juste causé un dommage chez lui ou l'autre, c'est-à-dire il a esquinté un bras et deux jambes, donc l'autre il lui reste même pas un petit manchot avec une main quoi, qui ne peut plus rien faire par exemple, il a complètement dévalué, et bien dans ce cas-là, Meshalem Nezek Shalem, il devra dans tous les cas payer le dédommagement total sans constante. D'accord ? On a fini. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha. Kol Tov, Salam.